Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre 205 GTI de chez Hitz Auto Edition avec les numéros 47 et 48. Si cette collection vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous y abonner et on pense à s'abonner à la chaîne et on est parti. Numéro 47 avec ses pièces, son pas à pas, son résultat fini. Le 48 ensuite, on va s'occuper du levier de boîte de vitesse et la console centrale. On va aussi mettre l'autoradio, notre pas à pas, notre résultat fini. Les pièces de note 47, en A, on a notre panneau latéral avant gauche, marqué d'un L. En B, c'est le panneau latéral avant droit, marqué d'un R. En C, c'est le pare-boue arrière gauche, marqué L. En D, c'est le même, mais le droit, marqué R. En E, c'est dans la petite boîte, c'est notre tapis de sol tournuteur. F, c'est notre revêtement de plancher côté conducteur. Ensuite, c'est que des revêtements de plancher. Donc là, on a le G. Ici, on a le H. Moi, les deux H qui sont ici et ici. Et on a des vis AP. Alors, on revient sur notre plancher. On va commencer par venir mettre lui côté conducteur. Là, il faut surtout bien aligner les quatre roues. Voilà, déjà pour celui-là, on fait pareil côté passager. On va mettre les deux H. Voilà. On vient ensuite avant gauche. On va mettre notre pièce A. Que l'on tient en haut avec une vis AP. Pareil de l'autre côté avec la pièce B marquée R. On retourne ça ensuite. On prend notre pièce C que l'on vient positionner ici. Comme ça. Et pareil, on le tient avec deux vis AP. C'est pareil de ce côté-là avec la deuxième. Comme ça, on prend ensuite notre tapis que l'on va venir mettre avec le trou juste ici, dans ce sens-là. Et voilà pour notre numéro 47. Les pièces de note 48, en A on a notre console centrale, en B on a notre levier de vitesse, en C qui est protégé là-dedans, c'est notre soufflet de boîte de vitesse avec les dessins tout comme à l'origine, en D
c'est le support de la vitesse. En E, c'est notre autoradio à cassette. En F, c'est la façade de console avant. En G, marqué L à l'intérieur, c'est notre grille de ventilation gauche. La même marquée R, c'est la 48H. En I, on a notre vêtement de console gauche. Et en J, le droit. Alors, on commence par prendre notre pièce A. On prend notre vêtement J. On vient le coller à ras ici. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté avec le I. Voilà, pour ici. On prend ensuite la G, donc marquée L. Voilà. On fait pareil de l'autre côté avec la H marquée R. Voilà, pour ici. On prend ensuite notre pièce F. Avec notre autoradio. Quand on voit qu'il y a un trou large et un petit trou, un plutôt large et un petit, donc on vient le mettre comme ça. On ne peut pas se tromper. Il faut bien appuyer pour l'enfoncer. Juste comme ça. J'ai une petite idée moi pour remettre après. Je ferai ça plus tard. Petite idée pour améliorer. Pour mettre des décors en plus. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre soufflet, donc la pièce C, on la met comme ça avec les traits vers le haut. On vient mettre notre levier de vitesse à l'intérieur. Ensuite, notre pièce D que l'on vient emboîter au bout ici. Comme ça, on le passe ensuite à l'intérieur ici. Dans le bon sens, c'est mieux. Juste comme ça. Et voilà ce que ça doit nous donner. Et voilà pour notre botte numéro 12. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook. À venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye !